Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Cold War Zombie sur la map d'Imachine. Alors ce glitch va vous permettre de gagner des XP en illimité très facilement et très rapidement et faire des manches en illimité. Alors pour réaliser ce glitch il vous faudra PhD Slider de niveau 4 dans vos talents. Donc quand vous avez l'atout PhD Slider, vous allez pouvoir réaliser le glitch. Cependant, avant de réaliser le glitch, moi je vous conseille fortement de prendre l'arme spéciale DCD Nova 5 de la map d'Imachine. Donc si vous ne savez pas comment créer l'arme spéciale de la map d'Imachine, il y a une playlist avec tous les tutos de la map en description, en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors avec ceci, je vous conseille aussi de prendre l'atout Masto, l'atout réanimation rapide et une armure de niveau 3 si possible. Alors bien entendu aussi, avant d'aller dans le glitch, améliorer votre arme niveau 3. Donc quand vous êtes équipé, ce que vous allez faire, c'est d'aller à l'avant-poste d'Omega. Alors en dessous de l'escalier, il y aura une table et ce que vous allez devoir faire, c'est passer à travers cette table. Et pour ce faire, vous allez devoir courir, slider et appuyer sur Option dès que vous allez toucher le coin de la table. Alors si vous arrivez bien à faire le glitch, logiquement, vous allez passer à travers la table. Cependant, moi je vous conseille de sauter en faisant cette manipulation parce que quand je ne fais que slider, eh ben j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus de difficultés à réaliser le glitch. Donc moi ce que je vous conseille c'est de courir, sauter, appuyer sur la touche s'accroupir pour slider et au moment où vous touchez le sol, là vous appuyez sur la touche option. Moi j'ai l'impression que ce glitch fonctionne mieux de cette façon. Donc essayez les deux façons et si vous y arrivez, ben là vous allez passer à travers la table et vous allez vous retrouver derrière cette table. Alors cependant, dans ce glitch, vous ne serez invincible que à certains endroits. Par exemple, si vous vous mettez trop près de la table, les zombies vont pouvoir vous taper. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de passer à travers les éléments du décor. Donc par exemple, les machines qui sont juste derrière la table. Vous rentrez dans la machine et de là, ben, les zombies ne pourront pas vous atteindre ni vous lancer des morceaux de viande parce que l'armoire vous protégera. Cependant, quand vous êtes dans cette armoire, quand c'est la manche des chiens, les chiens vont se mettre près de la table et vont exploser automatiquement. Donc avec le nuage toxique, ça vous fera des dégâts. Donc il faudra faire très attention aux manches des chiens pour ne pas vous faire tuer. Donc voilà, si jamais vous trouvez un endroit et que les zombies ne vous touchent pas et que le chien n'explose pas dès leur arrivée, eh ben n'hésitez pas à le dire en commentaire pour aider la communauté. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo mec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, 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 bruh.